Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre d'école du sabbat annexe, comme chaque vendredi soir. Nous vous souhaitons une bienvenue spéciale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que nous sommes prêts à continuer notre formation sur les instructions manuelles d'église, nous avons le thème missionnaire et surtout la leçon de l'école du sabbat. En tout cas, bienvenue et que le Seigneur vous bénisse. Pour continuer notre programme, nous allons chanter avec Carole au numéro 354, pardon, de notre hymne louange, le signal de la victoire. Bonsoir, Carole. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Nous voilà pour partager encore un moment agréable en sa compagnie. Je vous invite, comme Charles l'a dit, à chanter avec moi. Vos micros sont fermés à la maison, mais nous chantons ensemble. On y va. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux, la couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdrons pas courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons amis la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Carole. Et maintenant, nous allons prier avec Madeleine. Oui, bonsoir à tous. Position pour la prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé jusqu'à cet instant. Nous sommes réunis en petits groupes afin de pouvoir partager ta parole et recevoir tes instructions. Et toi-même, tu nous dis dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons la certitude que tu es avec nous, Seigneur, que tu es présent parmi nous et que tu conduiras toi-même ce moment de partage. Au tendre Père Céleste, nous ne sommes que des hommes imparfaits, nous te demandons pardon pour nos imperfections. Te demandons pardon si toutefois nous t'avons offensé. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras bien au-delà de ce que nous pensons ou espérons. Au tendre Père Céleste, alors que tout est chamboulé, tout est occupation, tout est vacant, que nous puissions dans ce calme et dans ce silence et dans cette sérénité te retrouver, Seigneur, et nous transformer et nous mettre agenouillés à tes pieds. Au tendre Père Céleste, fais-nous du bien. Et merci pour l'orateur de ce soir. Nous n'avons aucun mérite devant toi. Mais c'est par le sang de ton Fils Jésus mort sur la croix pour nos péchés et pour nous sauver que je te prie en ce soir. Amen. Amen. Merci, Madeleine. Comme je le disais tout à l'heure, nous continuons notre formation et sur le manuel d'église. Et en ce soir, nous verrons trois départements, trois ministères. Ce soir, nous allons parler du ministère de la famille, ministère de la santé et la musique. Comme je l'avais déjà dit, nous savons que l'Église du septième jour est une Église organisée et avec certains principes et certaines règles.
Et les départements sont là pour faire fonctionner l'Église dans la mission. Mais la mission, le but, toujours l'évangélisation. Et surtout, n'oublions pas cela, ceci, c'est très, 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 très important. Donc, comme je le disais, nous commençons ce soir par les ministères de la famille. L'objectif des ministères de la famille est le renforcement des liens du mariage et de la famille. La famille résulte d'un acte de création divine qui a placé le mariage au centre. Et nous insistons en tant que l'Église adventiste du sixième jour sur le mariage, alors qu'aujourd'hui, ceci est remis en cause. Le mariage entre un homme et une femme. C'est le premier cadre au sein duquel les valeurs sont apprises et où sont forgés des liens étroits avec Dieu et avec autrui. À ce titre, sa force et sa solidité sont choses vitales pour la mission de formation de disciples de l'Église. Des disciples de l'Église. Les ministères de la famille promeuvent les enseignements bibliques relatifs à la famille et mettent en valeur les idéaux du Seigneur pour la vie familiale. Pourtant, ce département ne saurait négliger la compréhension des ruptures vécues par les personnes et les familles dans ce monde déchu. Et ceci est très important, où nous avons des divorces, malheureusement au sein de l'Église, nous avons des séparations, et le département famille est là aussi pour soutenir ces personnes. Le département encourage la compréhension, l'unité et l'amour dans le foyer et au sein de la famille de Dieu. Il participe à la réconciliation entre générations promise par le message d'Élie rapporté dans Malachie 4, versets 5 et 6, et apporte surtout espoir et soutien à ceux qui ont connu des sévices et qui souffrent à cause des dysfonctionnements familiaux et de ruptures relationnelles. Le développement de relations saines est favorisé par des formations à la vie familiale. Les mariés et les familles sont incités à faire appel à des professionnels lorsque cela est nécessaire. Et ceci est très important. S'il y a des problèmes, puisque l'ennemi est toujours et quelques différents entre les personnes, n'hésitons pas à nous adresser à des professionnels. Et ça, c'est très, très, très important. Des fois, on garde le silence. Des fois, on se confie en de mauvaises personnes. Tandis que Dieu a placé des professionnels pour nous aider parce qu'il sait combien l'ennemi nous attaque et nous fait du tort. Les ministères de la famille de l'Église locale se concentrent sur la préparation au mariage destiné au couple, sur des programmes de consolidation du mariage et sur l'éducation parentale. Ils prêtent aussi attention aux besoins particuliers des familles monoparentales et recomposées et forment à l'évangélisation de famille en famille. Et vous revoyez avec le terme important, l'évangélisation de famille à famille. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu le sens de cette principauté, de cette primauté importante, l'évangélisation de famille à famille. Et l'ennemi sait combien cela est important et il nous détourne le plus souvent de notre mission. Madame White dit dans le livre Le foyer chrétien, la page 35, notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Il n'est pas de champ missionnaire plus important. Beaucoup ont négligé honteusement cette œuvre qui doit se faire au foyer. C'est le moment de penser à remédier à cet état de choses avec l'aide divine. Et ça, c'est très important. C'est là que commence l'éducation des membres de la famille, des enfants, au sein de la famille. L'Église est là pour soutenir, l'école publique est là pour soutenir, mais c'est au sein de la famille que commence la formation. Si dans les familles, les leçons de l'école du sabbat ne sont pas faites, ce n'est pas à l'Église que les enfants vont commencer à apprendre qu'est-ce que la leçon de l'école du sabbat. C'est au sein de la famille qu'on doit commencer. Et l'ennemi sait l'importance de la cellule familiale et met des difficultés. C'est pour cela que le département des familles est là pour encadrer les familles et quelque chose de très important pour les familles. Le culte de famille, le matin et le soir, c'est très important. Le dessein de Dieu est que les familles terrestres soient un symbole de la famille céleste.
Les foyers fondés et dirigés selon le plan céleste sont un des moyens les plus efficaces pour former des caractères chrétiens et faire progresser l'œuvre de Dieu. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, à la page 371. La mission confiée aux foyers chrétiens s'étend bien au-delà du cercle familial. Supérieure en puissance au plus beau sermon sera l'influence exercée par son moyen sur les cœurs. Ministère de la guérison, page 298. Les responsables des ministères de la famille sont toute personne ou tout couple marié peut être élu pour servir comme responsable des ministères de la famille. Ces personnes doivent donner l'exemple de rapports familiaux solides et en constant développement et montrer un désir sincère de favoriser le bien-être de toutes les familles pour remplir efficacement leurs tâches. L'heure où les responsables des ministères de la famille doivent avoir compris le plan de rédemption du Seigneur et comment il s'applique aux échecs relationnels dus au péché. L'heure où les responsables doivent aussi cultiver une confidentialité appropriée et savoir quand et comment inciter les personnes en situation critique à chercher une aide psychologique professionnelle. Le comité de ministère de la famille peut être mis en place. Le comité d'église peut établir un comité des ministères de la famille présidé par l'un ou les responsables des ministères de la famille. L'église a la conviction que son devoir de faire connaître le Christ au monde comprend l'obligation morale de préserver la dignité humaine par la promotion d'un niveau optimal de santé physique, mentale et spirituelle. Et vous voyez, et ça c'est, excusez-moi, c'est le ministère de la Santé, là, mais je voudrais faire une petite parenthèse, surtout au niveau du ministère de la famille. Il est important que nous puissions, que ce département puisse créer cette unité entre les membres. Mais une unité basée sur l'aspect spirituel. Malheureusement, nous avons tendance un peu trop, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas faire, un peu trop à mettre sur les activités, je dirais, de convivialité, d'échange, alors que le but principal, c'est de former des êtres prêts à obtenir le salut éternel. Et ça, c'est très important dans l'éducation que nous fournissons à nos enfants, à l'éducation qui est donnée au sein des familles. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou si quelqu'un a une question sur ce point-là? Donc, on voit bien également, tout au début, lorsqu'on a parlé, on n'a pas dit que quand les couples sont en difficulté d'aller voir le pasteur en premier. Et on voit bien qu'on a demandé de se diriger vers des gens, vers des professionnels qui pourront aider. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours le pasteur ou les anciens qui pourront aider en cas de difficulté. Certes, il y a la prière, mais il y a également se tourner vers des gens qui ont la compétence de pouvoir aider. Tout à fait, et c'est bien que tu insistes sur ce point-là. S'assurer, et même les pasteurs comme les anciens, devraient amener ces personnes à aller voir des spécialistes. Nous sommes là pour conseiller en tant qu'anciens, pour donner, pour prier, c'est vrai, mais Dieu met en place des spécialistes, et des fois, des problèmes sont vraiment profonds, et il n'y a que des spécialistes qui peuvent vraiment résoudre ce problème. Merci Madeleine pour cette remarque. Maintenant, nous allons passer au ministère de la Santé. Et nous voyons que c'est un ministère très important qui s'occupe de l'aspect physique, mental et spirituel. Outre l'exercice de ce ministère auprès des personnes malades, cette responsabilité inclut la prévention des maladies grâce à une éducation sanitaire efficace et en prenant l'initiative de promouvoir un état de santé optimal sans consommation de tabac, sans consommation d'alcool, ni de toute autre drogue ou aliment impur. Et tout ceci, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons accepté d'être membre de l'Église adventiste du septième jour, lors des 13 questions, il y a une des questions qui nous dit de ne pas consommer ni de tabac, ni d'alcool, ni de drogue ou aliments impurs. Dans la mesure du possible, les membres d'Église seront encouragés à adopter un régime alimentaire principalement végétarien. Vous remarquez bien, c'est bien marqué dans la mesure du possible. Il n'y a pas de règle au niveau dire Église adventiste est végétarien. Oui ou non, c'est, si on n'est pas végétarien, on ne sera pas sauvé. Ce n'est pas vrai. On encourage, c'est un encouragement, c'est vrai, à consommer moins de viande, à consommer moins d'aliments d'origine animale,
mais et pousser les et d'encourager à adopter un régime alimentaire principalement végétarien. Le responsable du ministère de la Santé est là afin d'établir et de mettre en œuvre en ce domaine un programme efficace. L'Église élit un responsable du ministère de la Santé et, si nécessaire, un responsable adjoint. Le responsable doit avoir à cœur toutes les questions de santé et être animé du désir de faire connaître les principes de vie saine de l'Église auprès des membres et de la société grâce au programme des ministères de la Santé mis en œuvre par l'Église. Le responsable doit être encore apte à sélectionner les programmes et les informations représentatives des idéaux et de la philosophie de l'Église en matière de santé et savoir comment les intégrer en un témoignage spirituel concret et efficace. Lorsque c'est réalisable, une Église peut établir un comité des ministères de la Santé qui servira à guider tant les membres d'Église que la société vers une vie plus saine et à collaborer aux activités communes pour le salut des âmes dans le cadre d'un programme réaliste de santé, de tempérance et de sensibilisation spirituelle. En collaboration, avec le comité des ministères personnels, le comité des ministères de la Santé prendra l'initiative d'élaborer un planning où seront programmées des initiatives telles que des plans de 5 jours pour cesser de fumer, des ateliers culinaires, des conférences sur la santé, des programmes de contrôle du stress et d'autres efforts du même genre. S'il n'en est pas le président, le pasteur doit être membre d'office de ce comité. Tout ceci pour nous dire qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un travail à faire régulier vis-à-vis des membres, rappel des principes de l'Église, se tenir en bonne santé, ne pas faire d'imprudence. Et ceci, c'est très important, car un être en bonne santé est un être qui est prêt à participer pleinement à l'évangélisation et à être un membre actif. En certains endroits, les ministères de la Santé ou sociétés de tempérance, ce mot est aussi employé pour le ministère de la Santé, pour une forme d'entité distincte, séparée de l'Église en tant que telle. Le directeur du ministère de la Santé de la Fédération doit prendre part à la création de cette éventuelle entité. L'intégralité de l'offrande, parce qu'il existe une offrande mondiale pour le ministère de la Santé, l'intégralité de l'offrande recueillie pour le ministère de la Santé dans le monde entier à l'occasion d'un sabbat donné, est remise à la Fédération afin d'être répartie selon la politique suivante. Sur demande formulée par l'Église locale auprès de la Fédération, jusqu'à 25% de la somme collectée à ce titre dans cette Église peuvent lui être réservées afin de financer les programmes de ces ministères de la Santé. Et il faut que nous comprenions que la santé est un élément indispensable. Pouvoir bien manger, pouvoir être en équilibre afin d'avoir une santé spirituelle apte à l'évangélisation, à recevoir l'appel du Saint-Esprit. Et ça, c'est très, très, très important. Et nous devons faire très attention à la manière dont, au niveau de l'Église, nous organisons les programmes des choses. L'ennemi utilise toujours plusieurs moyens et beaucoup d'activités, malheureusement, se termine toujours par un repas, des boissons, boire, alors que l'aspect évangélisé perd son sens. Donc, il est important que nous fassions attention à la manière dont nous organisons nos programmes, surtout nos programmes de santé. Y a-t-il d'autres questions? S'il y a des questions, sinon nous allons passer à la troisième partie, qui est très courte au niveau de la musique. L'Église choisira avec le plus grand soin les personnes chargées de diriger la musique en son sein, ne choisissant que des personnes à l'engagement spirituel sans faille, prêtes à proposer une musique appropriée pour les services de culte et les réunions de l'Église. Les musiques profanes ou de nature douteuse ne devraient jamais être introduites dans nos services. Et là, c'est quelque chose, malheureusement, qui perd beaucoup de son sens, où des musiques profanes au fur et à mesure entrent. Mais nous devons aujourd'hui retourner à la source, faire tout pour que, au niveau de nos responsables de musique, qu'ils puissent rester comprendre qu'il y a une musique appropriée pour les services de culte et pour les réunions de l'Église. Les responsables de musique
de la musique doivent travailler en étroite relation avec le pasteur ou avec les anciens afin que les pièces musicales sélectionnées correspondent harmonieusement au thème de chaque sermon. Le responsable de la musique est subordonné au pasteur ou aux anciens et ne travaille pas de manière indépendante. Il doit les consulter sur la musique interprétée dans l'église et sur le choix des chanteurs et des musiciens. Et malheureusement, cet aspect est très abandonné au sein de nos églises, où les responsables de musique sont indépendants, font ce qu'ils veulent. Mais il est important de ce que, au niveau de l'église adventiste, on comprenne qu'il y a une organisation et qu'il est demandé aux responsables de musique qu'ils soient subordonnés aux pasteurs et aux anciens, et surtout les consulter sur la musique interprétée dans l'église et sur le choix des chanteurs et des musiciens. C'est pour cela qu'au niveau de la musique, tous les chants, tous les programmes musicaux doivent être transmis à l'équipe pastorale pour validation afin que l'église puisse avancer, puisse chanter, puisse adorer musicalement Dieu selon les principes bibliques. La musique sacrée est une composante importante du culte public. L'église doit choisir avec soin ses choristes et ses musiciens qui représenteront correctement les principes de l'église. Ils doivent être membres d'église, de l'école du sabbat ou de la jeunesse adventiste. Durant le culte, les choristes et les musiciens sont le point de mire de la communauté. Ils doivent donc être des exemples de décence, de bienséance dans leur apparence. Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire. Les églises peuvent se doter de plusieurs chœurs. L'organisation de chœurs d'enfants est encouragée, car c'est un instrument de développement spirituel et d'évangélisation qui lie les enfants à la communauté. Donc, nous comprenons que la musique est quelque chose de vraiment importante au sein de l'Église et mérite une organisation fidèle aux principes bibliques. Y a-t-il des questions? Oui, Carole? Je voulais juste ajouter à tout ce que tu as dit ce soir que c'est très intéressant de voir que l'objectif de tous les départements de l'Église est à visée évangélique. Et je pense que malheureusement, on oublie trop souvent cet aspect des choses. Et ça mène parfois l'Église vers des tours et vers des chemins qui ne sont pas forcément propices à l'objectif clé. Donc, je pense que ce qui est important pour nous, même en tant que membre d'Église, même si on n'est pas responsable d'Église, mais penser que quel que soit le programme qu'on nous propose, quelles que soient les propositions qui sont faites, que nous puissions toujours réfléchir et nous demander en quoi est-ce un programme, en quoi est-ce une idée qui mène à l'objectif premier qui est l'évangélisation. Et je crois qu'on ne doit pas oublier cet aspect phare puisque l'existence de notre Église, c'est l'objectif. Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire en sorte que les gens apprennent à connaître Dieu mieux et nous devons retenir surtout que c'est toujours à visée évangélique. Et ça, dans tout ce que tu as dit ce soir, on a bien vu que le mot évangélisation ou le verbe évangéliser revenait toujours. Et je pense que ça, c'est important pour nous de le retenir. Nous sommes là pour quelque chose. Nous existons dans un but. Donc, faisons attention, comme tu l'as souvent répété, pour que nous puissions aller dans le sens de cet objectif. Tout à fait. Bon, je crois qu'il y a Madeleine qui voulait intervenir. Oui, on voit également que la musique doit être, le choix, on a parlé de choix et de tout, mais lorsqu'on parle de la musique, on a parlé que la musique profane, de faire attention. Et comme tu disais au départ, on voit que c'est très subtil. La musique, elle est très subtile. Il y a des fois, on ne se rend même pas compte et c'est après, en écoutant peut-être davantage ou en réécoutant, on peut se rendre compte. Et on a parlé également de la tenue vestimentaire. Tout ça pour dire que la musique ne doit pas être ni trop basse, ni trop forte. Il faut trouver le juste milieu lorsqu'on joue d'un instrument, surtout à l'église, que ça ne fasse pas dancing. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que je veux dire. Il faut que ça soit une musique qui ne soit ni trop forte, ni trop basse, mais avoir un juste milieu et surtout
que la musique ne recouvre pas les cœurs, ne recouvre pas les gens qui chantent, même l'assemblée. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord. Oui, vas-y, Caroline. J'aborde tout à fait dans le sens de ce que Madeleine a dit. Et ça aussi, c'est souvent une erreur en matière de musique. On a l'impression qu'il faut qu'on entende plus les chants que les personnes qui chantent. Or, la musique à l'église, en fait, nous sommes là pour accompagner l'église dans la louange. Si on dit accompagner l'église dans la louange, ça veut dire que je dois entendre les gens chanter. Quand je mène la louange à l'église, je dois entendre les gens chanter. À partir du moment où on entend plus les instruments et les personnes qui font chanter, là, il y a un souci parce que, en fait, on est là pour accompagner. Et quelque chose d'important à retenir aussi, c'est que la musique à l'église, enfin, en particulier à l'église adventiste, c'est pour la louange, effectivement, mais il ne faut pas oublier que ça doit mener à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, lorsqu'il y a les moments de louange, les moments de partage musicaux, qu'il y ait un lien entre, par exemple, la prédication, enfin, la thématique du moment. C'est intéressant qu'il y ait un lien, puisque la musique, de toute façon, doit mener à cette adoration. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler avec l'ancienne, enfin, la direction de l'église et tout, parce que à partir du thème qui sera prêché, à partir de ce qu'on va entendre, on peut justement programmer les chants, les morceaux qui sont interprétés en fonction de ce qui sera entendu. Et là, on mène vraiment quelque chose de sensé et de logique aussi. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un point important à retenir, c'est qu'à l'église adventiste, la musique, en fait, accompagne les programmes et ce ne sont pas les programmes qui accompagnent la musique. Et ouais, ça, c'est un point important que souvent on oublie. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on a l'impression souvent que ce sont les programmes qui accompagnent la musique. C'est une erreur parce que chez nous, dans notre dénomination, en fait, la musique est là pour accompagner ce que nous proposons aux gens puisque, de toute façon, nous sommes à but évangélique. Oui, Madeleine, encore, vous voulez revenir? Oui, je voulais ajouter aussi que le département musique est là également pour pouvoir apprendre aux membres de nouveaux chants sur notre hymne et l'orange, parce qu'il y a des chants qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliés. La musique est là aussi pour nous rappeler, tiens, il y a ce chant-là, et nous apprendre, parce que tout le monde n'a pas le don de lire la musique, et de nous apprendre les chants de notre hymne et l'orange. Alors, tu touches un point sur lequel je voulais intervenir avant de conclure. Au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, a été reconnu, créé, hymne et l'orange, et un but bien précis pour nos cultes, nos services. Malheureusement, aujourd'hui, l'hymne et l'orange a été mis de côté. Il est important, aujourd'hui, alors que nous vivons les temps de la fin, que nous puissions remettre notre hymne et l'orange au centre des choses. Je ne dis pas que c'est dans tout le monde adventiste que l'hymne et l'orange a été mis de côté. C'est faux. Lorsque je regarde des pays francophones, Haïti, d'autres pays en Afrique, c'est le hymne et l'orange au centre. Mais nous, en Martinique et surtout en France, nous rejetons l'hymne et l'orange pour prendre d'autres chants, plus d'autres chants extérieurs, dont certains sont profanes, et que nous faisons entrer au fur et à mesure dans nos cultes d'adoration, et ceci est très dangereux. Faisons tout pour que notre hymne et l'orange retrouve sa place dans le service d'adoration de l'Église adventiste du 7e jour. Je crois que Philippe voulait intervenir. Oui, je voulais dire, et c'est ce sujet très brûlant, hein, la musique. Hein, donc, et c'est un ministère que je pense que Dieu choisit des gens spéciaux pour accomplir ce ministère-là. Parce qu'on lit dans la Bible, les chants, David a choisi des chants spécialement pour chanter à l'Éternel. Maintenant, comme tu viens de dire, on aime des trucs nouveaux, des tendances. On a abandonné notre hymne et l'orange. Quand on chante nos hymnes et l'orange, il y a beaucoup de messages. Il y a des messages, comme tu dis, il est bon de revenir aux anciens sentiers. Cela est très important pour que nous puissions mettre de l'importance. Et il y a une sœur qui disait que pourquoi on n'apprend pas les gens à chanter. Mais je dois attirer l'attention de cette sœur pour dire que
chaque personne a reçu un don. Le ministère du chant, c'est un don. C'est un don. Si je n'ai pas reçu le ministère du chant, je ne vais pas me prononcer. Je vais écouter, mais malgré que je suis imparfait, Dieu a guère. Moi, personne ne sait pas chanter et que je prononce un chant dans mon cœur, Dieu va l'agréer par le nom de Jésus-Christ. Mais comme tu dis que c'est un sujet très brûlant, la musique, hein, les chants profanes, si on y appelle vigilance, le jazz, tous ces chants dans l'église, si les anciens de l'église ne sont pas vigilants, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes choses. Donc, pense que... Comment? Oui, j'ai dit tout à fait, tu as tout à fait raison. Et avant de la parole à Carole, il y a une chose importante. Aujourd'hui, nous faisons des journées spéciales et mes louanges. Nous pouvons dire que nous avons un problème. Voilà. Donc, oui, Carole. Voilà. Oui. Carole, tu l'as fait quelque chose? Tout à fait. Ça va dans le sens de ce que je disais. En fait, je pense aussi que ce problème que nous avons avec la musique, c'est par rapport au fait... C'est par rapport au fait que nous avons oublié qu'au niveau des Adventistes du septième jour, nous avons vraiment une doctrine à encourager, en fait. C'est-à-dire que nous sommes différents. Lorsque l'Église adventiste est arrivée à l'existence et tout, il y avait quelque chose de différent à offrir. Et on a du mal à comprendre que dans cette différence, nous avons des choses différentes à proposer. C'est pas une question de « oui, nous sommes tous chrétiens, c'est l'œcuménisme total, enfin tous les messages dès qu'il y a Jésus, etc. » Ce n'est pas ça, en fait. Il ne faut pas oublier que dans tout ce que nous faisons, il y a une connotation particulière qui va dans le cadre du message des trois anges. Et aussi, la question de... Parce qu'au fil des années, il y a toujours eu ce souci au niveau de la musique à l'église, que ce soit pour les instruments, les chants, etc. Et on oublie un détail important peut-être, c'est que n'oublions pas que notre ennemi, il était le chef de la musique au ciel. Il était le chef. Donc, il sait très bien comment agir à travers les instruments, à travers les notes, à travers telle ou telle sonorité, pour pouvoir amener les gens où il veut. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire très attention à ce que nous jouons, à ce que nous exprimons en chant lorsque nous sommes à l'église. Quand on entend, par exemple, des espèces de ritournelles où on répète 10 fois la même chose, j'ignore si ça mène vraiment à une adoration agréée et même agréable, parce que c'est pas intéressant de répéter 50 fois la même chose, et on a l'impression qu'en faisant en ayant différentes connotations vocales, voilà, ça va nous mener. Non, c'est pas l'objectif. Philippe le disait tout à l'heure, dans le Hymne et Louange, lorsque nous regardons les cantiques, nous voyons qu'il y a une histoire, enfin, il y a des paroles, les paroles mêlent à quelque chose. Nous devons faire attention lorsque nous chantons aussi d'exprimer un message à travers ce que nous chantons. Il n'y a pas d'intérêt, pour nous en tout cas, dans notre dénomination, nous n'avons pas d'intérêt à répéter 18 fois le même vers, à répéter les mêmes choses avec, voilà, je chante en haut, je chante en bas, je fais un canon. Ce n'est pas trop l'objectif derrière. Et ça, je pense que nous devons y penser. Et c'est vrai que lorsque nous gardons ça à l'esprit, forcément, lors des nominations, lors de l'organisation des programmes, etc., on voit les choses autrement, on comprend les choses autrement et forcément, on fait des choix qui soient beaucoup plus intéressants dans le cadre de la louange dans nos églises. OK. Donc... Nous terminons notre rencontre ce soir sur l'instruction des manières d'église. Et la semaine prochaine, malheureusement, je fais déjà l'annonce, la semaine prochaine, nous ne serons pas en direct, puisque nous aurons un programme de fin d'année au niveau de l'église de Web. Mais il y aura quand même l'émission, ça sera sur YouTube à partir de 17h45. Et nous verrons la semaine prochaine, au niveau de l'instruction des manières d'église, les départements des affaires publiques et de la liberté religieuse et les ministères des publications. En tout cas, n'oublions pas de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, à connaître, à découvrir ce que Dieu a à nous dire régulièrement. Maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Nous revoilà donc l'histoire de ce soir s'intitule « Sous le joug d'un incroyant ». C'est l'histoire de Chang Zhangmei,
qui est une enseignante indigène à Taïwan. Et elle nous explique qu'en fait, elle ne voulait pas se marier avec son mari au début parce qu'elle a été élevée en tant qu'adventiste et elle voulait aussi se marier avec un adventiste. Mais ses parents ont insisté pour qu'elle puisse épouser un homme d'une autre dénomination. Les deux parents se sont mis d'accord, ils voulaient qu'ils se marient et bien sûr, vous savez, dans ces régions, il faut obéir à papa et à maman à tout prix. Et donc, quand elle a été voir son mari qui s'appelle Ming Wang, elle lui a bien spécifié, okay, on va se marier, mais je ne vais pas changer de religion. Au départ, lui, il était d'accord, il n'avait pas de problème avec ça. Mais ensuite, les petits soucis ont commencé parce qu'ils ont débuté, bien sûr, la préparation du mariage. Et Chang voulait que ça se passe dans une église adventiste. Bien sûr, son mari, non, je suis le mari, je ne veux pas que ça ait lieu dans une église adventiste, je veux que ce soit dans mon église. Elle a essayé de faire un compromis. Elle a dit, OK, on ne se marie pas dans une église, on va se marier en extérieur. Mais il faut que ce soit un pasteur adventiste qui fasse un mariage. Un de ses cousins, elle nous dit, était pasteur à l'église de Ming Wang. Et elle a dit de demander, son fiancé lui a dit de demander à son cousin de célébrer le mariage. Chang a dit à son mari, à son fiancé, il faut que ce soit un pasteur adventiste. À tout prix, elle voulait que ce soit un pasteur adventiste. Mais bien sûr, son fiancé insistait, non, etc. Donc, son fiancé lui a finalement dit, ton beau-frère est un pasteur adventiste, alors demandons-lui de célébrer le mariage. Et c'est ce qu'elle disait, enfin, c'est ce qu'elle a répondu à son fiancé. Et bien sûr, ils n'arrêtaient pas de se disputer pour savoir qui allait célébrer leur mariage. Donc finalement, Chang a dit à son fiancé, si ce n'est pas un pasteur adventiste, je ne vais pas me marier avec toi. Et voyant la détermination de sa fiancée, Ming Wang a dit, OK, je vais consulter ma mère, je vais voir ce qu'elle en pense. Donc, sa mère était à l'époque adventiste du septième jour, mais son mari n'était pas adventiste. Et après leur mariage, donc après s'être mariée, elle a changé d'église et elle a été à l'église de son mari. Et lorsque Ming Wang, donc le fiancé, a parlé à sa mère, il est revenu vers Chang, il lui a dit, OK, ma mère est d'accord pour que ce soit un pasteur adventiste. Mais bien sûr, elle nous dit que ce n'était pas la fin de nos ennuis. La mère de donc sa future belle-mère, pardon, l'aimait beaucoup et elle nous explique qu'elle était convaincue que Chang allait pouvoir changer son fils parce qu'il buvait et il n'allait pas à l'église le dimanche. Et elle pensait bien sûr qu'avec ce mariage, Chang allait pouvoir influencer son mari et permettre influencer son mari. Quand je dis son mari, c'est le fils. Bien sûr, et qu'il allait pouvoir changer de comportement. Et elle pensait aussi que Chang, du coup, allait, une fois qu'elle aurait épousé son fils, allait aussi changer d'église. Et Chang nous dit, bien sûr, l'idée de se marier avec quelqu'un qui ne partageait pas sa foi, ça l'a beaucoup embêtée, elle était très mal à l'aise. Et son mari savait comment elle se sentait, mais en même temps, tout le village savait qu'ils devaient se marier tous les deux et quitter son fiancé à ce moment-là, ce serait gênant pour lui, il allait perdre la face. Et en plus, il y avait le témoignage des gens qui disaient oui, qui disaient à son fiancé, mais oui, épouse-la, c'est une fille bien, tu dois l'épouser. Son fiancé voyant sa gêne et le risque que ce mariage ne puisse pas se faire, a finalement décidé de devenir adventiste. Pendant un mois, il a suivi des études bibliques et il s'est fait baptiser. Et elle nous dit qu'elle n'oubliera jamais ce jour parce qu'en sortant de l'eau, son mari pleurait et il voulait l'épouser. Mais il voulait l'épouser, mais en même temps, il ne voulait pas quitter sa vie d'avant. Et il ne voulait pas non plus arrêter de boire. Et elle nous raconte que 6 mois après que leurs parents aient décidé pour leur mariage,
Le mariage s'est fait en plein air avec un pasteur adventiste comme ce qui avait été convenu. Mais elle nous dit qu'elle a ressenti une pression après son mariage. Elle a senti qu'elle devait changer son mari, qu'elle devait l'amener à l'église tous les sabbats, elle devait lui apprendre à manger correctement, à partager Jésus avec les autres. Donc, ça faisait beaucoup. Et en plus, Ming Mong, donc son mari, était un homme blessé. Vous imaginez, il avait perdu beaucoup d'estime de soi parce qu'il avait renoncé à beaucoup de choses pour pouvoir épouser Chang. Et bien sûr, le moment de procréer, la question de procréation est arrivée et Chang lui a dit « Non, non, il faudra que tu attendes parce qu'on n'aura pas de bébé tout de suite. » Parce que pendant longtemps, tu as eu une nourriture malsaine, tu as bu de l'alcool, donc il faut qu'on attende. Ton corps est pollué, a-t-elle dit à son mari. Donc effectivement, ils ont attendu 7 mois. Et pendant cette période-là, Chang nous dit qu'elle a appris à son mari à mieux manger, donc il mangeait sainement, il menait une vie saine. C'était beaucoup mieux et même leur voisin avait remarqué qu'il y avait un changement dans cet homme, qu'il était différent. Mais une fois que leur fille est née, son mari a décidé de boire à nouveau. Elle était triste, bouleversée, nous raconte-t-elle, mais en même temps, elle ne pouvait pas quitter son mari. Et 10 ans se sont écoulés. Et ils ont eu une deuxième fille. Mais la situation ne s'est pas améliorée. Ils avaient encore des conflits. Et un jour, Chang a décidé de partir. Elle a décidé de quitter son mari parce qu'elle ne voulait plus continuer ainsi. Et elle a emmené, elle est partie avec ses 2 enfants chez des amis. Et elle avait proposé à son mari de divorcer, mais il n'avait pas réagi, il n'avait pas répondu, donc elle avait pris l'initiative. Et elle nous dit que pendant 3 jours, son mari l'a cherchée, parce qu'elle voulait que son mari voie un peu la vie qu'il allait avoir sans sa famille. Mais pendant 3 jours, son mari l'a cherchée et l'a finalement retrouvée chez des amis. Et quand il a retrouvé sa femme, il a décidé, pour avoir sa famille à nouveau, de changer ses habitudes. Et elle nous dit qu'elle aime beaucoup son mari, mais elle ne comptait pas accepter de retourner avec lui s'il n'avait pas pris la décision de changer. Et quand elle l'a épousé au départ, elle nous dit qu'elle voulait par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu, le changer. Et elle avait même prié en disant, si tu veux sauver cet homme, tu dois m'aider à le changer. Mais en même temps, elle nous dit que la Bible a raison quand elle dit, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, dans la version Colombe. Il est préférable, témoigne-t-elle, d'épouser un conjoint de sa propre foi. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a appris cette leçon à ses dépens. Si une femme adventiste est mariée à un non-adventiste, je vous recommande d'être un bon exemple pour votre mari dans votre foi et votre style de vie. Priez pour lui, cuisinez pour lui et montrez-lui votre foi à travers votre vie. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Et elle nous dit, « Louons Dieu afin qu'il nous sauve malgré nous. » Et elle termine son témoignage, nous disant que son mari est devenu un mari et un père attentionné. Par la grâce de Dieu, il est aussi un bon travailleur de l'Église et il est même ancien d'église. Dieu est bon, nous dit-elle. Voilà donc, ainsi se termine son histoire. Et on nous rappelle qu'il y a 3 ans, une partie de l'offrande du 13e sabbat avait servi à aider à répandre l'évangile parmi les indigènes de Taïwan. Et l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir 3 centres d'influence urbains destinés à la population indigène, toujours de Taïwan, et d'autres personnes. Merci de contribuer à la diffusion de l'Évangile à tous les groupes de population de la division de l'Asie et du Pacifique Nord grâce à votre généreuse
offrande. Donc, j'espère que vous n'avez pas oublié votre offrande du 13e sabbat pour ce trimestre. Donc, on vous annonce déjà que le trimestre prochain, puisque nous terminons notre trimestre aujourd'hui, le trimestre prochain, nous nous dirigerons vers la division de l'Asie et du Pacifique Sud. Et dans cette division, il y a 4 projets qui ressortent. Une école primaire à Luang Natham, au Laos. Un dortoir pour les étudiants à l'école internationale adventiste du Timor oriental à Dili, dans le Timor oriental. Un centre de santé dans le nord du Pakistan et un centre d'apprentissage pour enfants à Long Tan, au Vietnam. Donc, je vous souhaite un excellent sabbat et je vous dis déjà à bientôt pour nos prochaines histoires. Que l'Éternel vous bénisse et continuons à prier pour les personnes de cette région, pour les missionnaires qui font un travail extraordinaire avec la grâce de Dieu. Et continuons à prier pour tous ceux qui ont fait le choix de suivre Dieu malgré les difficultés. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce récit. Maintenant, nous allons passer au moment de notre échange au niveau de la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes arrivés, comme Carole disait, à la fin du trimestre. Et nous voyons la leçon 13, la résurrection de Moïse. Pendant tout ce trimestre, nous avons parlé du livre de Deutéronome et nous avons découvert des choses vraiment magnifiques qui nous fortifient encore plus dans notre course chrétienne, surtout que nous vivons les derniers moments et qu'avec cette crise du COVID-19, les choses sont très difficiles. Nous avons chaque individu sur cette terre un choix à faire. Le Seigneur nous le présente. Personne ne pourra dire « je ne sais pas ». Et l'une de nos missions en tant qu'adventiste du septième jour ou étudiant de la parole de Dieu, c'est de propager ce message, de faire connaître qu'il y a une solution à tous les problèmes que le monde vit aujourd'hui. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Cette solution, c'est les 10 commandements. Cette solution, c'est la grâce de Dieu. Cette solution est offerte à tout le monde. Mais tout le monde, malheureusement, ne l'acceptera pas. La chose principale pour nous qui suivons, qui étudions la parole de Dieu, est-ce que moi, j'ai fait le choix de servir Dieu? Cette dernière leçon de ce guide d'études bibliques portera sur le dernier chapitre du livre de Deutéronome, la conclusion. Nous arrivons à la fin de ce livre. Le début de cette conclusion rappelle le début de l'introduction du livre. Les deux passages situent Moïse dans des plaines de Moab vis-à-vis de Jéricho, Deutéronome 34, verset 1, Deutéronome 1, verset 5, Nombre 36, verset 13, juste avant la possession de la terre. Cette inclusion, entre guillemets, marque des limites, début et fin du livre. Cette fois cependant, Moïse monta au sommet de la montagne et eut une vue panoramique de tout le pays. Ce passage sur la mort de Moïse se poursuit en effet dans Deutéronome 32, les versets 48 à 52, avant la bénédiction de Moïse dans Deutéronome 33. Dans lequel nous apprenons que Moïse était à cet endroit sur l'ordre de Dieu, Deutéronome 32, verset 48, et dans lequel Dieu explique pourquoi Moïse ne sera pas en mesure d'entrer dans la terre promise. Dans cette leçon, nous nous centrons sur la résurrection de Moïse, un événement qui n'est pas explicitement raconté dans le livre, bien qu'il soit suggéré à travers quelques indices textuels. Nous explorerons la signification de l'événement de la résurrection de Moïse pour notre compréhension de la résurrection de l'humanité et pour notre espérance dans le royaume céleste de Dieu, la nouvelle terre promise. Et nous verrons ces thèmes, nous centrerons sur les thèmes suivants qui rendront cette étude pertinente pour le peuple de Dieu aujourd'hui, pertinente pour ceux qui étudient la parole de Dieu et qui souhaitent vraiment respecter les principes que Dieu a mis en place en tant que vérité des temps présents, la justice et la grâce, la mort et la résurrection et le grand conflit. Et nous allons discuter durant le temps qui nous est imparti de ces trois thèmes.
tout comme le livre de Deutéronome, le livre de la Genèse se termine par une mort, mais sans tombe, et avec la même association de la perspective de la terre promise. Genèse 50, verset 26. Le livre de la Genèse, comme tout le Pentateuque, commence par la création et le jardin d'Éden, et se termine avec la vue de la terre promise, souvent un symbole du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La signification de ces deux événements sera répétée dans les Écritures. Ce modèle littéraire est présent dans la structure de plusieurs livres de la Bible. Voir par exemple le livre d'Ésaïe, qui commence également par la création, Ésaïe 1, verset 2, et se termine par l'évocation de la création de nouveaux cieux et de nouvelles terres, Ésaïe 66, verset 22, et l'espoir de culte éternel, Ésaïe 66, verset 23, contrairement à l'effet de la mort, Ésaïe 66, verset 24. Le livre d'Ecclésias, lui aussi, commence par la création du monde, Ecclésias, les chapitres 1 à 11, et se termine par la destruction du monde, Ecclésias 12, les versets 1 à 7, et le jour du jugement, Ecclésias 12, verset 14. Et nous voyons que la vie vraiment est coordonnée et incite vraiment dans ce phénomène. Création, destruction du monde et le jour du jugement. Le livre de Daniel aussi commence par une référence à la création. Lorsque Daniel justifie son alimentation en faisant allusion au récit de la création de la Genèse. Daniel 1, verset 12, en rapport avec Genèse 1, verset 29. Le même modèle structurel réapparaît dans le Nouveau Testament. Jean qui commence son évangile par l'évocation de l'événement de la création, Jean 1, verset 1 à 10, termine son livre apocalyptique avec l'espoir de la venue de Jésus-Christ et de l'instauration du royaume de Dieu, Apocalypse 21, verset 22 et 23. On pourrait considérer que ce passage structurel affecta la structure canonique de toute la Bible qui commence par la création, Genèse chapitre 1 et 2, et se termine par l'attente de l'espérance messianique, Malachie 4, verset 5 et Apocalypse 22, verset 20. Notez également que cette association de pensées inspira la seule définition biblique de la foi. La foi, elle, est une ferme assurance des choses qu'on espère, espérance dans le royaume de Dieu, Hébreux 11, verset 13 à 16, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La création, Hébreux 11, verset 3. Cette observation littéraire est importante car elle témoigne de la grande signification de l'histoire de la résurrection de Moïse à la fin du livre de Deutéronome et de son message pertinent pour les lecteurs de la Bible. Maintenant, voyons cet aspect du jugement de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu rappela le péché de Moïse contre lui. Deutéronome 32, verset 51. Est-ce que quelqu'un pourrait lire ce passage? Deutéronome 32, verset 51. Donc, je souhaiterais un volontaire pour nous lire ce passage. Deutéronome 32, verset 51. Y a-t-il un volontaire? Je lis. Oui. Pourquoi vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba à Kadès, dans le désert de Tin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël? Tout à fait, merci. À Meriba Kadès, quand il frappa le rocher à deux reprises. Et Madame White dit clairement, puisque pour ce qui s'est passé, elle le dit, Moïse manqua de confiance en Dieu. La réponse de Dieu suggère qu'il s'agissait d'une question de foi. Vous n'avez pas cru. Nombre 20, verset 12. Ce jugement peut être clarifié à la lumière de l'incident de la manne dans lequel les gens se concentrèrent sur le pain lui-même, perdit au contact avec le donateur. L'attitude de Moïse semble être la même que celle des Israélites. Au lieu de prier et d'appeler Dieu pour le miracle, il frappa le rocher, comme si la solution à la soif des Israélites viendrait de l'eau sortant du rocher et non du Créateur lui-même. L'erreur de Moïse était le fait de ne pas se référer à Dieu pour le glorifier.
Au contraire, il se comporta comme un magicien égyptien, se concentrant sur le pouvoir de la magie plutôt que sur la puissance de Dieu. Il s'est même inclus dans le pronom « nous », dans la capacité d'apporter de l'eau. Est-ce que de ce rocher que nous, le péché de Moïse est l'erreur de tout dirigeant, est l'erreur que nous faisons souvent, l'erreur de tout être humain qui se laisse diriger par le péché, cette tentation de remplacer Dieu, de croire que nous pouvons faire mieux que Dieu. Et personne n'est à l'abri de cette tentation. Maintenant, nous allons mettre dans le contexte et une ou deux personnes pour lire, et nous allons lire Nombre 20, les versets 1 à 13. Et ensuite, nous discuterons sur les deux questions que nous avons à l'écran. Alors, un volontaire ou deux volontaires, Nombre 20, les versets 1 à 13, pour nous lire ce passage-là. Bien comprendre les questions qui nous seront posées en ce soir. Toute l'assemblée. Oui. Je peux commencer? Oui, vas-y. Et toute l'assemblée, un a combien? Un a 13. Un a 15, mais je vais laisser un a 7 et puis on va suivre. Il y a un volontaire encore. OK. Il n'y a pas de souci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêtait à Kadesh. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, « Que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu qu'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Il tomba sur leur visage et la gloire de l'Éternel apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, je laisse la place à un autre. Oui, un autre volontaire, pour lire les versets 8 à 13. Voilà, vers, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Il leur dit, écoutez donc, rebelles, de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Merci. Alors, nous allons discuter maintenant ces deux questions. Quelles autres erreurs Moïse a-t-il commises dans sa réponse au peuple? Quelle différence y a-t-il entre le fait de parler au rocher et de le frapper? Et nous voyons là un épisode très important où Dieu avait dit de parler au rocher. Et là, Moïse, il frappe le rocher. Alors, qui veut commencer dans la discussion pour répondre à ces questions? Oui, bonsoir à tous, Charles. Bonsoir. Alors,
tout d'abord, avant de répondre aux questions, lorsque je lis ce texte, je me demande qui a péché. C'est Moïse qui a péché. Waouh! C'est Moïse, mais tous les deux étaient dans la mission. Tous les deux étaient dans la mission, mais qui a frappé? C'est Moïse. Oui. Et Noir. Mm-hmm. Et de notre côté, je me dis, comme ils étaient deux dans la mission, est-ce qu'à un moment, Aaron ne devait pas raisonner Moïse pour ne pas désobéir à l'Éternel? Tout à fait, c'est un aspect que tu dis là qui est vrai. Donc, dans cette histoire, les deux ont été sanctionnés ou un seul? Oui. Parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans le pays. Voilà, les deux ont été sanctionnés parce que les deux, alors Aaron est mort après, voilà, et Moïse non plus n'a pas pu entrer en Égypte. Oui, mais la sanction, c'est qu'aucun des deux n'aurait eu le droit d'entrer dans le pays. Pas en Égypte, à Canaan, voilà. Les deux, de la Canaan terrestre. Voilà, c'est ça. Donc, autrement dit, Dieu a été juste, même si c'est Moïse qui a frappé le rocher, mais quand même, Dieu a été juste en sanctionnant les deux. Oui, puisque c'est les deux qui étaient là. On voit bien dans les versets 7 et 6, à qui Dieu avait donné instruction pour donner de l'eau au peuple. Et n'oublions pas que Aaron était le souverain sacrificateur. Oui, tout à fait. Ok. Je pense. D'accord. Oui, vas-y. Bon, je pense que et en tant que dirigeant, ils avaient une grande responsabilité. Donc, il y a eu, comme on l'a dit, un manque de foi, mais il y a eu le moi, parce que c'est ça qui a joué un détail. Donc, Dieu voulait montrer que Moïse devait s'appuyer sur Dieu, comme on dit. Au lieu de chercher à s'appuyer sur leur propre sagesse, eh bien, ils ont échoué. Et Dieu voulait montrer qu'il ne fait pas d'acception à personne. Et je pense qu'en tant que dirigeant, ça a une leçon à tirer, que nos dirigeants ont une grande responsabilité de conduire le peuple de Dieu. Donc, voilà. Mais je poserai une question par rapport à la question d'Odile. Si équipe pastorale, équipe pastorale va dans un mauvais sens, est-ce que c'est vraiment toute l'équipe qui est responsable de ce mauvais sens? Qu'en pensez-vous? Mais c'est eux qui est le premier. Comme on dit que dans le monde actuel du travail, si un par exemple, je prends un exemple, je suis en cuisine, en restauration, il y a un chef, il y a le second, mais si le second ne fait pas le travail, eh bien, avant que le chef, celui qui dirige, qui donne les ordres là, prend des sanctions contre l'équipe, il va aller dire le second, tu n'as pas fait ce que c'est en premier lieu, c'est toi que je vais sanctionner. Et bien, il est de même pour les dirigeants. Donc si les dirigeants fonctionnent mal, en premier lieu, Dieu va aller vers les dirigeants. Je ne sais pas si est-ce que Dieu est impartial, mais c'est une responsabilité. Hein. Donc si le berger, quand tu lis Ézéchiel, et la sanction, les bergers, les faux bergers, je vais mettre des bergers, Dieu va prendre des sanctions contre les bergers qui avaient la garde de surveiller le troupeau. Donc, en premier lieu, c'est comme ça. Hein? Je ne sais pas si c'est ça. Oui. Parce qu'on est l'exemple. Hein? On doit être l'exemple. Les dirigeants doivent être un exemple. Et donc, si nous sommes on regarde à ce qu'ils font, donc s'ils fonctionnent mal, le peuple sera malade. Comme il dit, la tête est malade. Voilà. Mm-hmm. Donc, il y a Carole qui voulait intervenir, je crois. Oui, je voulais rappeler aussi qu'il ne faut pas oublier que dès le début de toute cette aventure, Moïse et Aaron étaient en binôme.
dès que Dieu avait donné la mission, on se rappelle, hein, comme ils avaient dit, ah, je ne sais pas parler, etc., etc. Dieu lui avait dit, je mettrai auprès de toi ton frère Aaron. Aaron était vraiment aux côtés de Moïse, c'était l'adjoint vraiment proche de Moïse dans toute cette épopée avec les enfants d'Israël. Il ne faut pas oublier aussi qu'Aaron, on se rappelle quand Moïse s'absentait, par exemple quand il était convoqué par Dieu, etc., c'est Aaron qui était en gestion du peuple. On se rappelle ce qui s'était passé concernant le veau d'or. Aaron, de toute évidence, n'a jamais été quelqu'un de très... comment dire? Et je pense à la question de tout à l'heure. Aaron, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on en sait, il n'a jamais été quelqu'un de très pugnace. Enfin, il n'a jamais pu se défendre vraiment par rapport au peuple, puisque on se rappelle comment le peuple l'avait obligé à faire ce veau d'or. Il savait parfaitement que ce n'était pas quelque chose à faire. C'était lui le souverain sacrificateur. Mais sous la pression du peuple, on sait qu'Aaron, il a toujours eu du mal à dire non. Et quand cette situation s'est présentée à Kadès, n'oublions pas que c'est Moïse et Aaron qui se sont présentés devant l'Éternel. Ils se sont agenouillés, donc ils étaient devant le temple d'assignation. Et l'Éternel a dit « vous ». Donc, c'est aux deux qu'on avait confié la mission de pouvoir faire ce miracle en parlant au rocher. Donc, il était normal que ce soit les deux qui est cette sanction, parce que c'est aux deux qu'on avait donné cette mission-là. N'oublions pas que c'est Moïse et Aaron qui menaient le peuple, même si c'est, Moïse parlait à Dieu directement, etc., mais Moïse et Aaron étaient tous les deux dans ce projet. Donc, il est normal que l'Éternel ait pris des sanctions pour les deux. OK. Il y a JV qui voulait intervenir. Une main levée. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bon sabbat. À toi aussi, bon sabbat. Oui. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quelque chose qui nous concerne encore aujourd'hui. C'est que dans notre cheminement, dans notre course chrétienne, il y a bien un jalon. S'il y a bien un jalon qu'on doit, parmi tant d'autres, hein, mais qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est le jalon qui consiste à prendre Dieu au mot. Ça nous fait défaut par moment et malheureusement, ça a fait défaut à plus d'un bien avant nous. Et encore aujourd'hui, ça me fait défaut de prendre Dieu au mot. Là, il s'agissait pour Moïse de prendre Dieu au mot. Et cela semble pas évident lorsqu'on laisse les sentiments venir et dominer un peu et lorsqu'on ne contrôle plus rien. Et on veut faire le contraire de ce que Dieu nous dit de faire. Mais prendre Dieu au mot, c'est faire comme il a dit. C'est faire comme il a dit pour commencer. Mais croire que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il se fera, quoi. Si Dieu dit, en parlant au rocher, il y aura de l'eau, il y aura de l'eau. Et prendre Dieu au mot, c'est l'attitude que Moïse a eue devant la mer Rouge et qu'il n'a pas forcément eue en ce moment. Et ça me projette encore un peu plus loin en me faisant penser un peu à cette relation parent et enfant lorsqu'on a déjà beaucoup parlé, parce que là le texte nous dit qu'il a eu à parler au peuple, et dans cet échange, bon, après un moment on ne souhaite peut-être plus parler mais agir, et on agit pas forcément de la manière dont il faut. Donc relation parent enfant, les parents estiment avoir déjà trop parlé, un moment on parle plus. Ou sinon, d'entrée de jeu, on ne parle plus et puis on prend la ceinture, on prend ce qu'il faut prendre et puis on frappe. Et Moïse qui frappe pour ne plus avoir parlé sous l'effet de la colère, ce sentiment qui finalement, quand ça se mêle, voilà, ça crée tous ces désagréments. Il y a qu'à voir Caïn, le Seigneur a voulu toute pédagogie, Caïn, tu vois bien que la colère est là, t'as pissé ou ta porte là, devant toi, juste devant toi, donc fais en sorte de ne pas dominer sur elle, parce que voilà, et je crois que c'est le conseil que Dieu a donné à Caïn, c'était ce même conseil là qui était quand même nécessaire pour Moïse, sur le moment, pour que Moïse puisse comprendre que je suis un dirigeant, jusqu'à maintenant j'ai fait avec ce que Dieu, j'ai tenu sur entre ses mains, je suis son serviteur, j'ai fait avec ce qu'il me disait, et jusqu'à maintenant tout ce qu'il m'a dit, ça s'est passé comme il a dit. Et de ma relation avec lui,
me parlant face à face, me parlant comme un ami, je devrais encore là, malgré l'exaspération du peuple, malgré tout ce qui se passe, le prendre au mot. Mais prendre ce Dieu au mot, parce que jusqu'à maintenant, ce Dieu ne m'a jamais déçu, de prendre au mot. Et nous avons tendance à, et Bruno n'a pas tendance forcément tout le temps à prendre Dieu au mot, alors que jusqu'ici, Dieu ne m'a jamais déçu. Et jusqu'ici, comme dit le livre de Samuel, il m'a secouru. Donc, c'est ce que je voulais dire. OK. Alors, Carole, avant que tu interviennes, je voulais juste mettre, et on parlait de ça dans, au niveau de la leçon, de la question. Différence entre parler au rocher et frapper et le rocher. Le miracle a eu lieu, il y a eu l'eau, mais Dieu avait demandé à parler parce que le miracle aurait été encore plus fort, le simple fait de parler au rocher que l'eau vienne. Frapper, comme je disais tout à l'heure, avait l'accent que, et Moïse, et en plus que Moïse a ajouté le mot « nous », il s'est intégré là, que c'est Moïse, oui, c'est ce que le peuple voit, que c'est Moïse, par la fête qu'il frappe, que l'eau vienne. Et l'esprit du peuple est détourné, je dirais que c'est Dieu qui permet ce miracle. Tandis que s'il avait parlé au rocher, le peuple serait vraiment stupéfait, parce que parler à un rocher et que l'eau sort, c'est vraiment, il y a une puissance qui a amené cela. Et c'est ce que Dieu voulait amener. Et le fait que Moïse ait fait cela, détournait vraiment ce que Dieu voulait demander que le peuple fasse. Donc, je crois qu'il y a Yolette qui voulait intervenir, puis après Carole. Exactement. Je voulais vous dire que ce que je retiens dans cette partie de la leçon, il ne faut pas oublier que Moïse, malgré toutes ses bonnes qualités, il restait quand même un humain. Donc, il y a un mot que nous devons considérer dans cette partie, la colère. La pression du peuple aussi. Moïse était sous la pression du peuple, hein? Et il s'est mis en colère. Il ne faut pas oublier, quand on est sous la colère, c'est l'autre qui dirige. Alors, je ne vais pas dire que ce n'était pas la faute de Moïse. Pourquoi? Je ne vais pas dire que ce n'était pas sa faute, mais il restait quand même un humain. Donc, sous la pression du peuple, sous les murmures du peuple, donc malheureusement, il s'était mis en colère. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu se contrôler pour respecter la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit de parler, Dieu n'a pas dit de frapper. Donc, sous la pression de la colère de Moïse, il ne se souvenait même pas, même s'il était orgueilleux, il y a un petit peu de vouloir diriger lui-même. Mais quand même, il faut considérer ce mot de colère, que nous devons aussi prendre cet exemple-là pour nous aujourd'hui. Parce que c'est facile de se mettre en colère et puis pas se contrôler et puis tout tourne à l'envers. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais signaler dans cette partie. Oui. Attends, Carole. Odile, vous voulez dire ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que cette leçon, il y a beaucoup de choses à en tirer, mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps. Mais il faut savoir que Dieu est un Dieu de justice, mais Dieu aussi est un Dieu d'ordre. Donc, pendant 40 années, Moïse a obéi à l'Éternel. Il avait le peuple chaque fois qu'il se détournait de l'Éternel. Mais il a fallu de cette petite erreur, on aurait pu dire que Dieu aurait pu passer là-dessus après 40 années, voilà. Mais il faut savoir que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui a des règles et que tout péché, c'est péché, toute désobéissance, c'est désobéissance et que malheureusement, voilà. Mais n'empêche que Moïse a la vie éternelle quand même s'il a fait cette petite erreur, il aura quand même son salut. Voilà. Parfait. Et ça, il faut, c'est important, on le verra tout à l'heure, t'inquiète pas. Oui, Carole, pour conclure cette partie. Oui, effectivement. Oui, c'est bon de rappeler que l'histoire se termine bien. Oui, c'est un happy end, comme on aime dire. Mais avant cela, par rapport à la question que tu posais, quelle autre erreur? Donc, à part cet aspect de frapper le rocher, je crois qu'il y a cette notion aussi de l'ordre, c'est-à-dire l'obéissance. Je crois qu'ici, il y a deux aspects aussi que nous pouvons relever, c'est l'obéissance et l'adoration. Je m'explique rapidement. L'obéissance, parce que lorsque l'Éternel a commandé à Moïse et à Aaron de rassembler le peuple, jamais
L'Éternel avait demandé à Moïse de faire un serment au peuple, n'est-ce pas? Moïse commence par dire au peuple, écoutez donc, rebelles, l'Éternel ne lui a jamais dit de faire ça. Dieu ne lui a pas dit de s'adresser au peuple, l'Éternel lui a dit de s'adresser au rocher. Il devait juste rassembler le peuple. Alors déjà, Moïse se positionne en donneur de reproche. Enfin, il fait un reproche déjà au peuple. Il a un jugement de valeur. Écoutez, rebelle, ce n'est pas ce qu'on lui avait demandé de faire. Donc, il y a déjà cet aspect d'obéissance et de faire ce qu'on me demande de faire. Et l'Éternel, aujourd'hui, il fait pareil. Il nous demande de faire ce qu'il nous demande. Mais c'est vrai que des fois, on aime toujours mettre un peu de grain de sel. Effectivement, en deçà de cet aspect de collègue, il y a aussi cette obéissance. L'Éternel lui a dit de rassembler le peuple et de parler au rocher. Ça, il ne l'a pas fait. Et bien sûr, comme il glisse déjà dans cet aspect des choses, parce qu'il veut prendre il veut prendre les commandes, il dit, est-ce que c'est de ce rocher que nous? Là aussi, cet aspect adoration dont je voulais parler, il y a aussi ce côté adoration. Et nous savons que ça pose énormément de problèmes. Vers qui, et tu en as parlé un petit peu, vers qui le peuple allait se... vers qui se concentre là? Parce que l'idée ici était de ramener le peuple à ce que Dieu attendait d'eux, que Dieu était capable de faire un miracle pour eux. Or, lorsque Moïse dit, est-ce que c'est de ce rocher que nous allons faire sortir? On n'avait pas demandé à Moïse de dire tout ça. On ne lui avait pas demandé de dire tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a l'impression, bien sûr, homme pour homme, bien sûr, on se tourne vers l'homme. C'est Moïse qui nous aura donné de l'eau, c'est Moïse qui... Non, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui est votre Dieu, c'est lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est lui qui va étancher votre soif. Ce n'est pas moi. Et à travers justement tous ces aspects-là, sa désobéissance et puis son inclusion dans ce miracle, malheureusement, il commet cette erreur parce que s'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas, c'est qu'on lui vole son adoration. Et là, en quelque part, Moïse, il a un peu fait ça quand même lorsqu'il se positionne en sauveur. Voilà, est-ce que c'est là qu'on va prendre de l'eau? Et il frappe. Donc, avant même de frapper le rocher, il avait déjà commis ces deux erreurs-là. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui de nous rappeler que lorsque Dieu nous demande quelque chose, faisons ce que Dieu nous demande sans ajouter notre grain de sel. Parce que quand on ajoute notre grain de sel, forcément, on est sur une pente glissante et ça aboutit à des résultats qui sont très malheureux. Et on le voit avec Moïse, même si on sait qu'après, il y a un happy end. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas encore. Parce que Aaron, lui, il n'a pas eu encore cette chance. Hein? Je voulais dire par rapport à la deuxième question que tu as posée, bien sûr qu'il y avait une différence. La différence, simplement, c'est l'obéissance, d'accord? C'est-à-dire obéir aveuglément à ce que Dieu dit. L'Éternel a dit de faire ça, je fais ça, c'est tout. Je n'ajoute pas, je n'ai pas je n'ai pas d'assistance à apporter à Dieu. Il me demande, je fais. Donc, deux points, je pense qu'on peut tirer, c'est l'obéissance et puis l'adoration à l'Éternel. OK, donc je continue parce qu'il y a quelques questions et le temps, c'est vrai, passe très vite. Maintenant, voyons cette partie, la résurrection de Moïse. Le texte de Deutéronome ne mentionne pas la résurrection de Moïse. Nous voyons ça nulle part dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 32, les versets 48 à 50, Deutéronome 33, verset 1, et Deutéronome 34, verset 5, se réfère spécifiquement à sa mort, mais ne disent rien de sa résurrection. Un certain nombre d'indices du texte biblique, cependant, pointent vers l'idée de résurrection. L'indication la plus significative de la résurrection de Moïse se trouve dans l'étrange verset de Deutéronome 34, verset 6. Personne n'a connu jusqu'à ce jour connu, bien que certains en Jordanie ont créé un monument disant que c'est là la tombe de Moïse. Cette dernière partie du verset biblique est le fait même que Dieu soit mentionné comme le seul impliqué dans cette sépulture indique qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'enterrement de Moïse.
personne n'a un enterrement comme ça. Tout le monde sait où meurt quelqu'un, où il est enterré, tout le monde le sait. Mais pour Moïse, personne ne sait. En outre, l'expression hébraïque Alpi Yahvé et Yahvé, selon l'ordre de l'Éternel, Deutéronome 34, verset 5, qui signifie littéralement sur la bouche du Seigneur, sans faire référence à une mort exceptionnelle. De cette expression, un ancien midrash juif affirme que Moïse était mort en ayant un baiser de Dieu, évoquant étrangement pardon, le souffle de Dieu. 7, suggérant une action miraculeuse de Moïse. L'information sur la santé parfaite de Moïse, du Deutéronome 34, verset 7, lorsqu'il mourut, ajoute du poids, à l'anormalité de sa mort. Moïse ne mourut pas d'une mort naturelle. Dieu l'a mis à mort lui-même, puis l'a élevé d'entre les morts lui-même. Moïse exalta le pouvoir de résurrection de Dieu dans un chant, Deutéronome 32, verset 39. En outre, l'association de la terre promise au patriarche, Deutéronome 34, verset 4, qui rappelle le jardin d'Éden, Genèse 15, 18 et Genèse 2, les versets 13 à 15, renforce l'intention de cette résurrection. Moïse ne fut pas autorisé à entrer dans la terre promise terrestre, mais il entra dans la terre promise céleste, un héritage qui attend le peuple de Dieu au moment de la résurrection, Daniel 12 et verset 2, 3 et le verset 13. Pour Ellen White, et ça c'est très important, lisons bien ce texte-là. La vision de Moïse du pays de Canaan depuis le mont Nebo était liée à sa vision de la nouvelle terre, l'héritage éternel. Un dernier tableau encore se déroule devant le prophète. Notre terre lui apparaît vierge de toute malédiction et plus radieuse que le pays de Canaan qu'il vient de contempler. Le péché et la mort en sont bannis et les rachetés y trouvent une demeure qui ne passera jamais. La réalité est plus glorieuse qu'on ne l'eût jamais imaginé. Le peuple élu, prend enfin possession de son héritage éternel. À la vue de ce spectacle, Moïse éprouve des transports de joie. La vision disparaît. Les yeux du vieillard s'arrêtent à nouveau sur la terre de Canaan, qui s'étend à ses pieds. Puis, tel un guerrier fatigué, cherchant du repos, il s'étend doucement sur le sol. Tout ceci est du livre Patriarche et Prophète à la page 434. Maintenant, posons-nous cette question. Pourquoi Moïse voit-il la vision du pays de Canaan à la vision du royaume de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Moïse et non Abraham ou Daniel? Pourquoi le livre du Deutéronome, se termine-t-il par la mort de Moïse et non pas par sa résurrection, comme dans le cas d'autres héros bibliques? Alors, qui peut répondre à ces questions pour qu'on puisse en discuter rapidement avant de voir notre dernière partie et conclure notre programme? Oui, Carole? Je n'avais pas demandé la parole, mais j'attendais que, voilà, de triager. Mais alors, avant de répondre à ça, je voulais aussi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, n'oublions pas que ce n'est pas parce que quelque chose... Enfin, lorsque nous désobéissons à Dieu, ce n'est pas parce que les choses se passent bien que forcément nous n'aurons pas les conséquences de ce qui s'est passé. On l'a vu avec Moïse, il y a l'eau effectivement a jailli du rocher, néanmoins il a dû quand même payer les conséquences. C'est comme nous aujourd'hui, parfois nous faisons des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, on ne voit pas tout de suite les effets, puisqu'on a l'impression que ça a marché, mais tôt ou tard on finit toujours par regretter ce choix. Donc faisons attention, puisque l'obéissance est toujours la meilleure option. Et pour répondre à ces questions, pourquoi Moïse relit-il la vision? Ben, c'est normal, puisque Canaan, quelque part, était un petit peu c'était le pays où coulait le miel, le lait et le miel. C'était le paradis, ça correspondait au paradis sur le plan terrestre, sur le plan physique, d'accord? Dans le sens où c'était plein de fertilité, ça allait être vraiment un endroit, un lieu propice au développement, à l'épanouissement du peuple, à la richesse, etc. Tandis que le royaume de Dieu,
c'est la même chose. C'est pour nous une vision céleste de cette perfection, de ce moment de réjouissance où nous aurons cet épanouissement à ne plus faire face ni à la mort, ni à la souffrance. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de difficultés. Donc, les deux, en fait, correspondent. Canaan, donc c'est au niveau terrestre. Le royaume de Dieu, donc ça correspond à cette vision céleste. Donc les deux correspondent à cet aspect paradisiaque, cet aspect de perfection que nous avons et qui constitue notre espérance. À cette époque avec les enfants d'Israël, c'était bon, après tout cette pérégrination, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, ils allaient pouvoir profiter enfin de pays où ils allaient être mieux, ils allaient être au calme, ils allaient être bien. Et nous, pour nous, aujourd'hui, qui sommes des étrangers sur cette terre, puisque nous sommes en pèlerinage aussi, tout comme Israël était en pèlerinage dans le désert, ben, nous aspirons tous à accéder à ce royaume de Dieu. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait cette liaison entre la vision de Canaan, terrestre et le royaume de Dieu. Surtout quand on sait au final que Moïse est déjà en train de profiter de ce royaume-là. Ça, c'est pas important. Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Moïse et non Abraham ou Daniel? Nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas. Il faut le dire, nous ne savons pas. Mais en tout cas, nous savons que la résurrection de Moïse nous permet d'avoir cette assurance que même en passant par la mort, nous aurons aussi accès à cette résurrection. Parce que nous savons qu'il y a trois personnes, trois humains pour l'instant qui sont, en tout cas, dont nous avons eu les noms. Donc, on sait qu'il y a Enoch n'est pas passé par la mort, qui a pu aller au ciel. Donc, Enoch qui a vécu un petit peu, on ne sait pas, hein, parce qu'on nous dit qu'à un moment de sa vie, il marcha avec Dieu et Dieu le prit. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a Élie qui a été un serviteur de Dieu et lorsque le moment est arrivé, il est monté. Il n'est pas passé par la mort non plus. Donc, il a été au service de Dieu toute sa vie. Et nous avons aussi, donc Moïse, que nous savons qui lui est passé par la mort et qui est monté au ciel. Donc, ça, avec Moïse, nous avons cette assurance que ce que Dieu nous a promis se réalisera, puisque nous savons qu'il y a des hommes qui sont, voilà, il y a cet homme qui est passé par la mort et qui est ressuscité. Donc, pour nous, c'est une assurance. Après, nous ne savons pas pour le reste, pour Abraham et Daniel, seul Dieu sait pourquoi il a fait ça, ça nous ne savons pas. Et pourquoi le livre se termine par la mort de Moïse? Non par sa résurrection, probablement parce que ce livre, de toute façon, c'est un livre historique, c'est un livre d'histoire, et puis comme ça fait partie du Pentateuque, donc c'est Moïse qui a écrit ces livres, et on peut se dire que Moïse peut-être n'aurait pas pu écrire sur sa résurrection, puisque logiquement, il est mort. Donc, on peut imaginer effectivement que cet aspect des choses est certainement arrivé après avec les érudits et les écrits qui sont arrivés, qui ont succédé en fait, à ces livres-là. Voilà donc les éléments de réponse, je pense, qu'on peut apporter. Après, si ceux qui sont sur la plateforme veulent compléter, voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant que nous passions à notre dernière partie? Ben juste pour rejoindre un peu ce que Carole disait, vous dire que lorsqu'on fait la lecture d'Hébreux 11, verset 13, on voit que c'est aussi un élément de réponse à inclure dans tout ce qu'on a eu comme information, notamment sur la première question. C'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé hein, dans le cas de Moïse, c'est de loin. Mm-hmm. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Et Carole a mentionné, nous sommes pèlerins étrangers et voyageurs sur la terre. Donc c'est un peu ça, c'est notre posture actuellement, c'est de reconnaître que nous sommes de passage, nous sommes que des voyageurs pèlerins et qu'il y a une destination finale.
Parce que si on perd de vue la destination finale, et quand je lis ce verset des 11, chapitre 3, 11, verset 13, c'est de me dire que, Seigneur, je ne souhaite pas voir de loin, parce qu'on sait qu'il y a, on sait qu'autour de Jésus, il y a une partie, les injustes verront de loin aussi. Hein. Ah, voilà. Ouais, ce sera le regard porté de loin sur la Nouvelle-Jérusalem, mais notre objectif, c'est d'y être. Donc, il y a une finalité, il y a une destination finale. Et même si Moïse n'a pas pu mettre les pieds à un Canaan terrestre, mais il a obtenu bien plus. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Tout à fait. Maintenant, vous, oui, il y a Philippe qui voulait intervenir. Excuse-moi, Philippe. Oui, je voulais intervenir sur ce que Carole disait. Ça a posé la question, pourquoi Dieu, la question a été posée, pourquoi Dieu n'a pas ressuscité Moïse? Pourquoi Dieu a ressuscité Moïse, pas Daniel, etc. Moi, je pense que Dieu ne fait pas d'acception de personne. C'est-à-dire que nous avons une espérance. Et quand on lit l'histoire de... Enoch, voilà. C'est bien ça. Et ouais, c'est bien Enoch. C'est bien Enoch. Et on nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Dieu le prie. Dieu voulait, dès le départ, Dieu avait donné une espérance. Et il se posait la question, que deviendra les morts? Dieu a montré que voilà, il va les ressusciter. Il va les ressusciter. Alors, ce que je veux dire personnellement, et la destination, que ce soit nous mourons ou nous vivons, c'est le but, c'est d'être au ciel. Parce que il y aura une compagnie, il y aura une compagnie que Dieu a décidé dès la fondation du monde, ceux qui ne vont pas passer par la mort, qui vont voir Jésus revenir. Ce n'est pas le problème que nous soyons morts, que nous soyons bien. L'essentiel, c'est d'accepter Jésus-Christ et recevoir cette récompense que Dieu a préparée pour nous. Donc, et je me suis posé la question et Mme White déclare que s'il avait obéi et il avait fait tout ce que Dieu avait fait, il allait être transmis sans passer par la mort. Je me suis posé la question. Et quel a été le... Est-ce que si les deux binômes ont marché, avaient obéi ce que Dieu avait dit de tout, est-ce qu'ils allaient être transmis par la mort? Parce qu'on a vu le sort de Aaron. Aaron s'est endormi, Dieu ne l'a pas ressuscité. Donc, pourquoi Dieu n'a pas... On peut se poser la question. C'était binôme. C'est les binômes. C'est normal que nous posons la question, mais la réponse, Dieu seul connaît la réponse, le comment et le pourquoi. Et si nous voulons savoir, connaître cette réponse, faisons tout pour être présents lorsque Christ reviendra et que nous obtiendrons la vie éternelle. Et durant cette période des 1000 ans que Dieu nous a promis, nous aurons la réponse à toutes nos questions et à toutes nos interrogations. Aujourd'hui, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, nous devons chercher à être présents à ce jour-là. Pas chercher à répondre à ces questions, à connaître la réponse, à être présent ce jour-là pour connaître la réponse. Et ça, ça fait une différence. Oui, Bruno. Oui. Alors, juste dire que Dieu, dans son plan, a simplement voulu, et ça c'est mon avis, simplement voulu qu'il y ait une figure exemplaire, nous montrant par là que c'est un peu comme le larron sous la du larron sous la croix, un qui accepte le salut et l'image est forte et un qui refuse. Donc, il y aura d'un côté, ça nous montre bien qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y en a qui vont accepter et d'autres pas. Donc, dans le cas de l'exécution de Moïse, figure exemplaire pour nous montrer qu'il y en a qui vont mourir, qui vont mourir, passer par la mort, ce sommeil, et hériter du royaume. Et puis, comme Élie. Il y en a qui ne vont pas passer par la mort, donc il fallait quand même, parce que bon, Dieu aurait pu ressusciter tout le monde, il est capable, mais il est puissant, mais il a ses raisons, et nous devons sincèrement accepter ces raisons-là, de nous dire qu'avec une figure exemplaire d'un serviteur qui est mort et qui est ressuscité, d'un autre qui monte au ciel sans passer par la mort, ça nous suffit largement pour comprendre qu'autour de Jésus, il en sera ainsi, il voit qu'ils seront debout, ils sont dans le sommeil, mais que Dieu fait les choses bien et c'est pas ressuscitant forcément tous ceux qui ont été des serviteurs à son service à une époque, ressuscitant tous, que ça nous fera croire, ça va fortifier notre foi davantage, une fois croire que
il en sera ainsi à son retour. Avec Moïse et avec Élie et Enoch, on a la certitude, la conviction qu'il en sera ainsi. Il y en a qui seront debout. Et comme disait Philippe, dans la tombe ou hors de la tombe, l'essentiel, c'est d'être à Jérusalem. Tout à fait. Philippe, je t'ai interrompu. Je voulais ajouter, mais tu peux terminer. Est-ce que Philippe m'entend? Oui, je t'entends. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, que le plus important, ce ne pas chercher de savoir, ce sont des questions futiles. Le plus important, c'est d'être là, à chercher, d'être présent. D'être présent, cela est très important. Maintenant, il faut savoir que le salaire, depuis que l'homme a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, je pourrais dire, pourquoi Adam, pourquoi Adam n'est pas machin? Il a dit le salaire, mais Dieu a donné l'exemple et le premier homme qui est monté au ciel, Dieu a donné l'exemple Enoch. On dit que Enoch a vécu 300 ans avec Dieu. C'est-à-dire que 300 ans, c'est-à-dire que rechercher est en présence de Dieu. Il n'a pas vécu un ermite, mais il a eu un combat dans sa vie. C'est-à-dire qu'il vivait, il était un citoyen de la terre, il vivait selon ce que Dieu disait. Quoi? Il s'est dit qu'il commettait des péchés, puisqu'il faisait des sacrifices. Oui, c'est ça. Dieu a vu en lui. Il y avait une volonté. Et l'on dit que l'histoire de Manawa déclare que l'histoire d'Enoch, Dieu exigera l'histoire. Et ce que Enoch a vécu, il va exiger ça parce que c'est un combat chaque jour. Chaque jour. Et quand on est en présence de Dieu, c'est seule la justice de Jésus qui nous justifie devant Dieu. Et je pense que Dieu a voulu montrer que, et comme on dit, il a plu à l'Éternel et Dieu l'a pris. Donc c'est un exemple pour nous que ce soit bon. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts, les disciples sont morts. Donc pourquoi Dieu non? Donc Dieu a ses raisons. Hein? Parce que si je disais ça hier, s'il fallait que depuis Adam jusqu'à nos jours, qui menait et que la tête est pleuplée, faut nous descendre, il y a un parti qui descend, c'est ça. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Mais le plus important pour moi personnellement, c'est de persévérer et de connaître Dieu et de savoir que j'ai accepté Jésus-Christ, quel que soit, comme l'apôtre Paul, que je sois vivant ou je descends dans la tombe, l'essentiel c'est ma vie est cachée en Jésus-Christ. Et que lorsque Jésus reviendra, les choses que nous n'avons pas pu comprendre, nous aurons 1000 ans pour comprendre, comme tu as dit, les choses. Ce qui est important, c'est de persévérer. Parfait. Donc, oui, Carole? Non, rapidement, je voulais dire, et aussi à travers, bien sûr, Georges, ce qui a été dit, mais à travers l'histoire d'Enoch aussi, nous voyons, parce que Enoch n'a pas vécu que 300 ans. Enoch, en fait, la Bible nous rapporte qu'il a vécu 365 ans. Donc, ça veut dire que 65 ans, avant justement cette coupure et qu'il décide de marcher avec Dieu, on ignore sa vie précédente, mais on voit bien qu'il y a eu une coupure, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il a décidé de se consacrer à son Dieu entièrement. Et ça a plu à Dieu et on connaît la suite de l'histoire. Donc, à travers son expérience, on voit bien qu'à un moment donné, dans la vie d'un homme, il y a toujours ce choix à faire de suivre Dieu pour pouvoir se changer de voie complètement et adopter la voie que l'Éternel a tracée. Voilà. OK. Donc, il est significatif de savoir que pour Jude, l'événement de la résurrection de Moïse montre en miniature le grand combat entre Dieu et Satan. Il est significatif de savoir que la dispute entre Michaël, le grand guerrier, qui est Jésus-Christ, et le diable revêt tout le destin du monde. Et ça, nous devons comprendre ça, que nous vivons ce conflit entre Michaël, le grand guerrier qui est Jésus-Christ, et le diable. D'une part, on voit Satan qui a de bonnes raisons de garder Moïse dans le tombeau à cause de son incapacité à être juste. D'autre part, on voit Jésus-Christ qui défend et sauve Moïse par la puissance de son sang. Maintenant, comparons Genèse 3, verset 15 et Juste 9. Énumérer les thèmes communs entre ces deux textes. Pourquoi, et nous allons s'attarder sur cette dernière question, puisque le temps presse, pourquoi Satan était-il si désireux de retenir Moïse mort? Alors, si quelqu'un peut répondre rapidement à cette question, pourquoi Satan
était-il si désireux de retenir Moïse mort? Parce qu'il a fait pécher Moïse. Il a fait pécher Moïse, hein? Mais il y a une chose qu'il ne sait pas, que Moïse avait demandé pardon. Donc, Dieu c'est important, la prière secrète, hein? Donc, c'est Satan qui était à l'origine de ce que Moïse a péché. Mais dans son cheminement avec Moïse, dans son cheminement, et il a demandé pardon. Et puis, voilà, c'est... Et je pense qu'il a cru que et Moïse l'appartient. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Que l'Éternel te réprime, hein? Voilà. Tout à fait. Oui, Odile? Oui, je pense aussi que c'était une façon pour Satan aussi de montrer qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'espérance et qu'une fois qu'on est mort, qu'on a péché, qu'on est mort, quoi, c'est terminé. Quoi. Donc, mais Dieu, par la résurrection de Moïse, Dieu a montré qu'effectivement, que l'être humain, même s'il pêche, même s'il meurt, il y a cette espérance qui est la résurrection après. Tout à fait. Avant de donner la parole à Carole, dans la leçon de la semaine, il y avait un texte, quelque chose qui était de très important. Satan et Moïse ont commis le même péché d'orgueil. Et Satan, lui, avait été rejeté. Et il voulait, à tout prix, du fait qu'il considérait que Moïse avait commis le même erreur que lui, vouloir prendre la place de Dieu, que Moïse méritait vraiment la mort, méritait de rester là enterré et que Satan l'aurait eu dans ses mains. Mais une différence, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que Moïse a reconnu son erreur et a demandé pardon. Tandis que Satan, lui, n'a jamais reconnu son erreur et a persisté dans cette erreur. Oui, Carole. Je voulais juste ajouter que cette situation que nous voyons avec Moïse dans la Bible, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est ce qui va se passer aussi pour chacun d'entre nous lorsque c'est grâce à Jésus que nous pourrons accéder justement au salut éternel. Il va faire ça, il va jouer à ce petit jeu-là avec chaque être humain. Il dira, il fera croire que parce que nous avons péché, nous ne méritons pas le royaume de Dieu, et l'Éternel sera là pour dire non, c'est mon enfant, il s'est confessé, il a demandé pardon, donc il est digne de mon royaume. C'est un petit peu cette même cette même discussion qu'on va trouver, et c'est comme ça que se passe le jugement, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où il va venir dire oui, mais non, mais voilà, il a fait ça, elle a fait ça, etc., Jésus sera là pour dire non, je suis mort pour eux, ils se sont repentis et voilà, ils ont accès à la vie éternelle. Donc, en fait, nous ne sommes pas étonnés de l'attitude de Satan puisque c'est son rôle, il est dans son rôle. Donc, forcément, tout ce qu'il veut, c'est que nous ayons la mort éternelle. Par contre, gloire soit rendue à Dieu que par son sacrifice que nous acceptons, d'accord, ça c'est important que nous puissions l'accepter, et cette grâce par laquelle nous vivons, nous pouvons justement déjà vivre cette éternité parce que nous savons que l'Éternel combat pour nous. Nous avons cet avocat et notre avocat, il sert à ça. Donc, à nous de rester fidèles justement à notre avocat pour que lorsque notre tour passera, puisque notre tour passera forcément, ben, que nous soyons couverts par cette justice de Christ qui nous permettra d'accéder à la vie éternelle. Tout à fait. Donc, dans la Bible ou dans l'histoire desquelles un leadership politique ou religieux a remplacé Dieu, quels sont les résultats de l'usurpation des prérogatives divines et de la souveraineté de Dieu? Et je vous présente juste ces deux cas-là rapidement. Un évangéliste se vante du grand nombre de baptêmes qu'il a réalisés. Comment expliquer notre succès évangélique sans tomber dans l'égoïsme? Un membre de votre église raconte un miracle de guérison que Dieu a accompli pour lui dans votre église. Cependant, un autre membre souffre de la même maladie. Comment expliquez-vous cette différence? Comment le membre qui fut guéri doit-il témoigner de la méthode de guérison de Dieu? Que vous apprend l'erreur de Moïse sur vos propres erreurs? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à ces questions avant que j'intervienne sur un des points? Sinon, j'interviens avant et vous allez intervenir après. L'erreur de Moïse. Oui, vas-y.
révèle le grand amour que Dieu a pour l'humanité entière. Donc, combien c'est important pour nous de nous repentir, qu'importe nos erreurs. L'important, c'est de nous repentir et aller de l'avant. Et surtout, demander à Dieu de nous permettre, par son Saint-Esprit, que nous puissions vivre en citoyens pour le ciel, puisque nous avons l'espérance de la résurrection, même si nous passons par la mort. Tout à fait. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important sur la question de la maladie. Une chose à comprendre, que Dieu connaît toutes choses et qu'il est le seul à pouvoir être juste dans ses décisions. Ne cherchons pas à dire, oui, mais Dieu a choisi telle personne, pourquoi l'autre personne? Le principal, quelle que soit la finalité d'une maladie que nous avons, soit la mort, soit un miracle, c'est de rendre gloire à Dieu et d'avoir cette espérance que nous obtenions la vie éternelle. Lorsque nous regardons le roi, c'est ce que je peux me rappeler, où Dieu avait dit qu'il devait mourir, et il a demandé de prolonger sa vie. Dieu savait pourquoi il voulait qu'il meure maintenant là. Mais Dieu a accédé à sa demande. Et lorsqu'on remarque la vie qu'il a vécue après ce miracle, il a perdu son salut. À quoi cela lui a servi de vivre plus longtemps et perdre son salut, alors qu'il aurait pu mourir et avoir la vie éternelle? Donc, il est important que nous puissions, quoi qu'il nous arrive comme décision, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, que nous puissions vraiment accepter la décision de Dieu pour nous, car notre but, ce n'est pas de vivre éternellement sur cette terre. Notre but, c'est d'obtenir la vie éternelle. C'est vrai que c'est dur, il y a des gens qui souffrent pendant longtemps, mais nous, cette espérance doit nous permettre de supporter, car Dieu ne veut que notre bonheur. Oui, Carole. Oui, je voulais juste dire, alors, tu cherchais le nom du roi Ézéchias. En fait, il faut vraiment se rappeler, parce que c'est cette partie-là qui est vraiment très difficile, parce qu'on ne va pas dire que ce soit facile, c'est jamais facile de souffrir, c'est pas facile d'affronter les épreuves, c'est pas facile de toujours se dire que Dieu est là, mais effectivement, Dieu est là. L'Éternel n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas ses enfants, et ça doit être une réalité pour nous. Et nous rappeler que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, se comparer à l'autre. Ce n'est pas possible. Je souffre d'une maladie, l'autre souffre d'une maladie, peut-être que l'autre ne guérit pas moi. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu, en fait. Dieu, effectivement, c'est sûr, Dieu est un Dieu juste. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous avons une leçon à tirer. C'est compliqué à vivre. C'est difficile de le dire, mais c'est ça, c'est la réalité, parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver. C'est ça son objectif principal. Donc, tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qui arrive dans notre vie, toutes les étapes, et parfois aussi, sans oublier les étapes où c'est nous-mêmes qui nous mettons en difficulté et nous portons les conséquences de nos choix. Mais en dehors de cela, lorsque quelque chose nous tombe dessus et qu'on n'a pas vu venir, ça reste un moyen pour nous de nous accrocher encore plus à Dieu. Parce que nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu où on a vu que quand on voit Job, on voit Daniel et ses compagnons, on a d'autres exemples dans la parole de Dieu et Jésus lui-même, mais par excellence, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il était innocent. Donc, on voit bien que ce sont des choses qui parfois nous tombent dessus, mais il faut qu'on se dise, et c'est là qu'on doit demander à Dieu encore plus de nous aider, que ta volonté soit faite. Comme Job l'avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut qu'on soit conscient que tout ce qui nous arrive, c'est la grâce de Dieu. Et nous vivons dans un monde de péché. Donc, il est normal qu'il y ait des mauvaises choses qui nous entourent, des mauvaises choses qui nous tombent dessus. Mais néanmoins, n'oublions pas que notre Dieu est là. L'Éternel est là. Et dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours quelque chose à retirer. Et c'est pour ça que notre confiance en Dieu, lorsque nous affrontons des choses compliquées, parce qu'il y a des choses vraiment difficiles dans notre vie, nous devons nous rappeler que c'est là que l'Éternel est encore plus auprès de nous. Et moi, j'ai ce poème qui est toujours resté à mon esprit et que vous connaissez certainement, ce sont les pas sur la plage. Lorsque cette femme qui voit qu'au moment où c'était le plus difficile pour elle,
elle voit une paire de pas et elle pense que Dieu n'était pas là. Et Dieu lui dit, non, à ce moment-là, c'est moi qui te portais. C'est moi qui te portais. Et ça, vraiment, j'ai toujours gardé ça dans mon esprit. Et quand je passe par des moments compliqués, je me dis, allez Seigneur, c'est toi qui me portes à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est important de toujours garder à l'esprit que lorsque nous avons décidé de cheminer avec Dieu, ça ne sera jamais facile. Mais notre Dieu nous promet d'être toujours là avec nous et ça doit être notre assurance en toutes circonstances. Tout à fait. Alors, Odile voulait intervenir, il me semble. Oui, c'est juste pour dire, pour renforcer un petit peu ce que disait Carole au niveau de la maladie, il faut savoir que la chose la plus importante pour Dieu, c'est notre salut. Le but final pour Dieu, c'est notre salut. Donc, s'il voit que, n'oublions pas que c'est lui, il connaît le cœur, il sonde notre cœur. Donc, s'il voit que avant la guérison, qu'il y a des choses en nous qui ne lui appartiennent pas, qu'il doit encore nous purifier, nettoyer notre cœur. Donc, avant la guérison, c'est sûr qu'il va faire ce choix de nous laver, de nous purifier avant. Voilà. Tout à fait. Et même dans nos succès, comme nous voyons avec l'évangéliste, même dans nos succès, nous devons être humbles et rester modestes que c'est Dieu qui permet. C'est pas nous. Nous sommes que des instruments. Vouloir se vanter de dire, oui, j'ai fait tant de baptêmes, baptisé plusieurs personnes. Non, c'est l'Esprit qui Dieu permet. Et même s'il y ait zéro baptême, lorsque je fais une évangélisation, mon but est de proclamer l'Évangile. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui retire, c'est Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Je peux juste ajouter je voulais juste ajouter au niveau des erreurs qu'il faut savoir que ce soit le grade que nous avons, que ce soit pasteur, ancien ou simplement d'église, si l'autre vient vers nous et nous dit que nous sommes dans l'erreur, nous devons reconnaître. Et nous ne devons pas non plus avoir peur parce que c'est un ancien, parce que c'est un pasteur. S'il fait quelque chose de mal, nous devons ne pas suivre, mais obéir, toujours obéir à Dieu. Voilà. Tout à fait, tu as tout à fait raison. En tant que personne mortelle, quelle est la signification personnelle et la théologie de la résurrection de Dieu et de Moïse, pardon? Comment cet événement renforce-t-il votre foi dans la réalité personnelle de la résurrection pour vous? Comment la vérité historique de la résurrection de Moïse confirme-t-elle la vérité historique de votre par cette résurrection, nous avons cette certitude que lorsque Christ reviendra, tous ceux qui lui sont restés fidèles, vivants comme morts, parce que quand Christ reviendra, certains seront vivants. Nous avons une espérance et nous devons garder cette espérance en tête. Que Dieu nous promet la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, lorsque nous commettons une erreur, instantanément, le Saint-Esprit nous met en garde à demander pardon. Nous devons tout faire pour corriger ce qui ne va pas dans nos vies. Car Dieu ne se trompe pas. Il y aura des surprises au ciel. Certains qui pensent qu'ils y seront, n'y seront pas. Certains qui disent que cette personne ne peut pas y être, ils seront le salut individuel. Mais collectivement, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'Église. Gardons en tête cette espérance. Ne nous détournons pas. Restons accrochés à Dieu. Et durant tout ce trimestre, nous avons vu comment Moïse a repris le peuple, comment Dieu nous reprend constamment dans un seul but, que nous soyons sauvés. Et cette question, vous allez réfléchir, répondre, voir. Vous êtes pasteur et devez faire une homélie à une funéraille, prêchant sur l'histoire de la résurrection de Moïse. Quel thème allez-vous développer pour réconforter la famille? Quel argument allez-vous utiliser pour prouver que la vérité de la résurrection pour cette personne? Comment cette histoire réconfortera-t-elle leur douleur et renforcera en même temps leur foi? Voilà ce message que nous devons répondre, ce message d'espérance autour de nous. Alors que le monde vit cette crise de COVID-19 avec des variants qui se multiplient, alors que beaucoup sont empêchés de sortir, ne peuvent pas aller, ne pouvons pas nous retrouver à l'église comme auparavant, nous avons cette espérance et nous devons porter cette espérance. Ne soyons pas les premiers à vouloir porter de mauvaises nouvelles.
Christ a une bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle pour chacun, pour chaque être humain. Cette espérance qui revient bientôt pour sauver tout le monde. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose? Tout est clair? Donc, j'aimerais vous laisser avec ces questions afin de pouvoir nous aider mutuellement. Face au deuil et à la séparation de notre chair, quelle espérance pour notre consolation avons-nous? Il est important aujourd'hui que nous ayons une espérance. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans espérance comme les autres. Nous devons partager cette espérance dans les certitudes de l'avenir qui nous attend. Comment nous adressons-nous à Dieu? Comment Moïse réclamant un exaucement immédiat et terrestre? Ou avec confiance et assurance que Dieu fera tout concourir à notre bien, même si nous ne comprenons pas tout? Oui, quand nous nous adressons à Dieu, nous devons accepter humblement, lui demander et en silence accepter. Si ça n'arrive pas, il sait pourquoi. Si ce n'est pas encore maintenant, il sait pourquoi. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses qui arrivent, pourquoi nous souffrons, pourquoi l'Église n'avance pas, pourquoi tant de haine au niveau de l'Église, pourquoi tant de rébellion. Ce n'est pas nous qui dirigeons les choses, c'est Dieu qui dirige. Laissons Dieu faire. Prions en ce sens-là. Car des choses, je dirais, allant contre la volonté de Dieu, arriveront dans nos églises. Mais quelle sera ma position lorsque l'Église elle-même va apostasier? Est-ce que je vais apostasier comme l'Église ou je vais rester fidèle à la parole de Dieu? C'est là la réflexion. Quelle position d'où je dois avoir aujourd'hui? Quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose? Sinon, je terminerai. Et surtout, comprenons comment Dieu nous forme-t-il à la patience, à la confiance et à l'espérance. Oui? Philippe, tu voulais dire quelque chose? Je vois, non, c'est bon. Alors, ce que nous devons comprendre en ce soir, que nous devons être patients, nous devons avoir cette confiance en Dieu et surtout avoir cette espérance, la clé de la réussite. Voici ces trois éléments. C'est quelque chose à retenir dans la leçon de ce trimestre. C'est la patience, la confiance et l'espérance. Et Moïse a eu ça. Et pour nous aujourd'hui, en tant qu'étudiants de la parole, en tant qu'adventistes du septième jour, nous devons être patients, confiants et avoir cette espérance que Jésus revient. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Je vais demander à Yolette si elle veut nous faire la dernière prière. Nous avons été un peu long ce soir, c'était la dernière leçon du trimestre, c'est un peu normal, mais continuons à étudier la parole de Dieu et restons fidèles à elle. Est-ce que Yolette pourrait nous faire la dernière prière? Si elle m'entend. Sinon, je demanderai à un volontaire de nous faire la dernière prière. Notre Père qui est dans les cieux, je vais prier. Vas-y. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier une fois encore de la grâce d'être en vie. Nous sommes contents, Seigneur, que tu as permis à ton serviteur Charles de nous instruire durant le trimestre, Seigneur. Nous avons appris beaucoup de choses, Seigneur, ainsi que Carole, Seigneur. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, pour toutes les instructions que tu nous as données dans ta parole. Nous avons cette espérance, Seigneur, de marcher de ce que tu nous as promis, ça va se réaliser. Que nous soyons vivants ou nous dormons, le plus important, c'est de t'accepter et d'être debout, Seigneur, lors de notre héritage pour la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te remercier une fois encore pour l'année que tu nous as gardée, tu nous as préservé de tout danger, toute mort subite, Seigneur. Et d'autres se sont endormis dans l'espérance, Seigneur. Et Seigneur, nous devons persévérer, continuer. Nous avons pris conscience, Seigneur, que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu nous as protégés, Seigneur. Nous te louerons, Seigneur, pour le dernier sabbat que tu nous as permis de voir. Alors que nous sommes dans le sabbat, Seigneur, à l'aube du sabbat, nous voulons, Seigneur, que nous réjouis en toi, Seigneur. Te disons merci, te donner gloire, car seul toi qui dois être honoré et loué. Bénis-nous, Seigneur, et bénis ton serviteur et son épouse, Seigneur, ainsi que tous ceux qui ont participé sur la plateforme. Bénis l'ensemble de leur famille, Seigneur.
vers les protégés et qui persévèrent, et lorsque tu reviendras, qu'ils soient comptés parmi tes élus. C'est les grâces que je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le prochain trimestre, nous verrons les écrits aux lettres et des Hébreux, la lettre aux Hébreux et à nous la semaine prochaine. Donc, annonce très importante, les trois prochains vendredis, nous n'allons pas avoir de direct sur Zoom, mais il y aura la leçon, l'instruction par YouTube à 17h45 pendant une heure de temps, car sabbat et vendredi prochain, nous aurons notre programme de fin d'année de l'Église Zoreb par Zoom dès 19h. Mais de 17h45 jusqu'à 19h, il y aura le programme École du sabbat annexe sur YouTube. Le vendredi 7 et 14, nous n'avons pas non plus de direct par Zoom, car nous aurons les 10 jours de prière du 5 au 15 au 14 janvier. 10 jours de prière, et ça sera avec le pasteur Patrick Luciat sur Zoom. Donc, nous nous retrouverons en direct sur Zoom, si Dieu veut, le vendredi 21 janvier. En tout cas, suivez bien les émissions, continuez à étudier la parole de Dieu, restons fidèles à sa parole et que le Seigneur vous bénisse. Bon sabbat à tous et bonne fin d'année à tous.